Et bonjour à tous, c'est Brass, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va continuer Zoku. J'allais dire une connerie. Dans notre let's play, hein. On est l'épisode 19, si je me souviens bien. Alors, on va faire une mission et après on va aller à un préparateur. Alors, la mission s'appelle Vincent. Voilà. Solo. C'est parti. Mec, maintenant que tu fais partie des Cadors, je me suis dit que le moment était venu que tu découvres ma vilaine trogne. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Shiv, quand est-ce qu'on se rencontre? Patience, ma nouvelle petite merveille. D'abord, faut que t'assures. Alors, amène-toi. Le face-off des Five Ten est sur le point de mettre la côte ouest sans dessus-dessous. Et j'attends beaucoup de toi. À bientôt, mi amigo. Vincent? Écoute, bonhomme, je suis pas ton héros. C'est vraiment... C'est loin d'être un métier de rêve. Bosse à la fac, fais médecine, je sais pas moi. Non, t'y es pas du tout. Je viens de la part de Harry. C'est quoi le job? Du légal. Infiltration. Pour le FBI. Sans blague. Sans blague. Les Five Ten. On veut coincer Shiv. Et c'est personnel. Harry a dit que tu comprendrais. Les trucs perso, ça me connaît. Ok, je marche. Tirons-nous d'ici. Je crois que le Réal veut ma peau, de toute façon. C'est quoi son problème? C'est un connard. Et puis, je me suis tapé sa femme. Alors. Sacha. Alors après. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais te conduire à notre nouveau QG et te présenter le crew. Harry m'a déjà envoyé les coordonnées. Tu vas où là? T'en fais pas, je te retrouve là-bas. Harry avait des dreads. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Ça fait un sacré bail. Ça remonte à l'époque où je bossais sur les circuits. T'as été pilote pro? 100% réglo. Les sponsors se battaient pour moi. Et après? La vie. Un coup dur? Ouais, une collision. À fond dans les stands, si tu veux savoir. Bon, je pense que là, ça va être bientôt fini, du coup, hein. Du coup, j'ai prévu... Waouh! Mais il est malade, ce gars. Du coup, j'ai prévu deux nouveaux jeux. Pas trop, je pense que. Je voulais faire un Alors pourquoi t'as quitté le milieu pro? T'as eu un accident ou quoi? Pas vraiment un accident, non. C'est-à-dire? Tu poses toujours autant de questions. J'aime connaître les gens avec qui je bosse. C'est quoi? Un entretien d'embauche? Chez moi, on appelle ça faire connaissance. Bon, alors, je m'appelle Vincent. Ma couleur préférée, c'est magenta. J'aime les bagnoles, la bière et les femmes. J'aime pas les questions indiscrètes. Voilà, tu sais tout. Sauf qu'il y a du people ici. Hein. Voilà. Moi qui rêvais d'un pied-à-terre à L.A.
Les temps de chargement, c'est un peu chaud. Hey, tu m'avais caché que tu bossais avec tout un tas de jolies filles. Ouais, pourquoi à ton avis? C'est l'heure de ton cours particulier sur les face-off. On y est, bonhomme. La côte ouest, le face-off. N'importe quel 5-10 de n'importe quel coin du pays rêverait d'être à ta place en ce moment. Même si toi, t'es ici pour d'autres raisons. Si tu veux atteindre Shiv, tu vas devoir courir et surtout gagner. Harry dit que t'en es capable. Et ton tatouage le prouve. La vengeance, c'est un truc bizarre, Alex. Elle frappe aveuglément. Quand t'auras survécu au face-off et qu'il n'y aura plus que Shiv entre toi et le tatouage de V8, faudra que tu sois prêt. Quel que soit ton choix. Ok. J'ai des trucs à faire dessus. Perfect. Ah, je prends Mury. Cool. Encore un. Ah bah bon. Voilà. On va sortir maintenant. De chargement, c'est un peu chiant par contre. Bah, sur tous le les jeux, off, c'est pas une promenade du dimanche. Tu prends une caisse de circuit, tu t'entraînes, tu la règles et tu t'entraînes encore. Si t'es pas prêt à tout pour survivre, laisse tomber. Ok, alors maintenant. 5-10, bienvenue au Face-Off. Vous êtes parmi les 50 meilleurs pilotes du monde. Et vous venez faire ce qu'on sait faire. Brûler de la gomme, enfreindre la loi et régler nos comptes. Cette année, j'ai un gros problème à régler. Il y a eu du chambard à la direction. Et mon associé a dû échanger son costard cravate contre une tenue de prisonnier. Ce qui fait que je cherche un nouveau bras droit. Et ce sera l'un d'entre vous. C'est une compétition par élimination. Le temps de 2 épreuves, vous passerez de 50 à 20 pilotes. Alors impressionnez-moi! Faites un carnage et mettez le feu à la route! Allez, hop, on va jusqu'à là-bas. Et après on verra pour le feu à la route. Allez, poussez-vous. Même pas un kilomètre 30, c'est bien. En tout cas, c'est très bon. Regardez, belle baraque et tout. On arrive bientôt, de toute façon. Oula, tu glisses un peu trop. J'ai mal, en plus ça fait longtemps que j'ai pas joué, alors je vous dis pas. Il y a vraiment du mal. Je trouve que c'est, ça semble pas pareil. Là. Allez, rentrez. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et mon Twitter qui est dans la description. J'ai que ça, ouais, j'ai que ça. Allez, c'est parti.
semble plus du tout. Oh yeah, elle est belle. Bon. On va un peu l'améliorer. Esthétiquement, couleur. Tiens, en rouge. Pas mal en rouge. Je sais pas si je vais être en yellow. Rouge comme ça. Métal. Peu en ski. J'aime bien cela. Regardez cette arrière. Ceux-là sont merci. Ça va être pas mal. Il y a que ça en plus. Pour presque rien améliorer. Ok. Allez, c'est parti. Avec cette voiture. Allez. Dernière faction des Five Ten, les ours, est disponible. Tu sais comment ça marche. Tu peux changer de faction ou garder la tienne. Bon, on va garder, hein. Voilà, allez. On va faire une petite course là. On va dire une destination. Je vous reprends tout de suite. Allez, c'est reparti. Alors, hop. Juste un peu dépassé. Allez, solo.
Yo, yo, 5-10, c'est votre V8. Et c'est le moment de faire hurler vos montures, les gars. Ramenez vos bagnoles et soyez prêts. Vous avez de l'allure dans vos chouettes nouvelles bagnoles. C'est la première course, les enfants. Les 5-10 sont venus des quatre coins du pays. Mon pote Eric Tzu de New York, Herschel Craig de Chicago. Est-ce que vous êtes prêts? Putain, elle a repassé de moi. Tu passes la seconde, gamin. Voilà. Enculé. Mais non. Allez. Ouais, t'enflamme pas, bonhomme. Reste cool. Oh, bug! Ah! Mais t'es... Oh là, pas comme ça, autrement. Oh non, 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 putain, j'ai bugué. Ouais. Merde, à chaque fois. Mais... Oh là là, bah, je pense qu'on va recommencer. C'est là. Merde. C'est mauvais. Allez. Faut que j'arme la bague. Dernier tour. Allez. Ah. Ça fait que pour l'instant là j'ai en train de ne pas m'amuser du tout du tout. Le sort circuit j'aime pas du tout ça. Eh merde. Pied au plancher fiston. Pas besoin de freiner. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, c'était quand même chaud. Hein. Bon, par contre, le truc jaune là qui sort là, c'est un peu dégueulasse. Plus de. Son traître dans le coin. Voilà.
Salut Vincent, c'est moi. Salut petit, ça roule ? Vincent, en plus de ton aide pour le face-off, il y a encore un truc dont j'aurais besoin. Il faut un flingue. Ok. Si tu peux pas l'avoir... J'ai pas dit ça. Je veux juste être sûr que tu sais bien ce que tu fais. J'y pense tous les jours depuis 5 ans, alors t'inquiète, j'y réfléchis. Très bien. Je vais passer quelques coups de fil et je te rappelle. On va tuer. On va le massacrer. On va lui faire bouffer la poussière. On va faire celle-là là. Évasion. Oh, on va y aller. Ça fait éviter la ville un peu. Avec des beaux paysages. Patience. T'es pas encore prêt pour ça. Gagne d'abord de l'expérience. Je ne vois pas pourquoi ils nous sont. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais celle-là, on dirait comme voiture, c'est un paquebot. Parce que, on est vachement large hein, sur le côté. Pour ça, j'ai du mal à. Ça. C'est parti, évasion. Alors voilà, c'est malheureux, mais un de nos frères est en transfert vers la prison d'État de Californie. Ce serait vraiment dommage qu'il rate la fête. Si vous voulez passer à la suite de cette compétition, vous allez le sortir de là. Je vous envoie les détails. Alex, qu'est-ce que tu fais ? C'est Troy là-dedans. Il a tenté de te tuer, tu te souviens ? Je sais. Mais si je le fais pas, Shiv va m'échapper. Bon, libère-le. Je le mettrai sous surveillance. Ok, Alex. Oh là là, les unités sont en route. Compliqué. Tu peux attaquer le bus. Zoé, t'es la meilleure. Ouais, par contre, ça. Ne perds pas. Appuie, bonhomme. Ah bah là, j'appuie. Là, mais. Ok, renverso. On dirait que le chauffeur du bus a un plan B. Ne lâche pas. Allez. Les flics, mène-toi, Alex. Ah, bah tu coches à quoi, là. Et maintenant, cartonne-le. Oh, bien sûr, maintenant, je vais coucher. Proche de moi, je sens la perception. Si on prend la vitesse comme ça. Nickel. Donne tout ce que t'as, fiston. Ouais. Les barrages sont en position, Sanfal. Entendu. À toutes les unités en poursuite. Les barrages routiers sont. On va le neutraliser. Oh là, oh là, bande de cons. J'ai l'occasion de la voir. Accélère, t'es à la traîne. Allez. Non. J'ai perdu une voiture. Voilà. Vas-y, pour ok. Putain, mais il est loin.
Oh là là. Ah mais non, mais ils sont touchés. J'espère que tu sais ce qui se passe. J'ai la liste de transfert. Le seul qui nous intéresse, c'est Troy, le pote. On a quoi? Oh, oh. J'ai un support aérien. Merde. On le laisse filer, mais on le perd pas de vue. Envoyez les secours sur notre position. On a subi une violente collision. Ah mais c'est pas possible. Rentre dedans. Ah bah ok, ils vont rentrer. Genre les gars. Fais que ça d'appuyer. Apparemment, ils ont bien besoin de rentrer. Non sol, oh les. Oh le piste de. Bien. Voilà, bon. T'es en train de perdre. Je suis mort. Mais non, allez, juste trop facilement. Mais non, mais... traîne. Oh, ça me saoule. Mais c'est pas possible de percuter le bus. Et à la traîne, gamin. Ne perds pas. Les barrages sont opérationnels sur la route du suspect. Merci. À toutes les unités, des barrages ont été placés sur l'itinéraire pour la police. Ça s'est pas passé comme prévu. Oh là, mais... Bah non, mais arrêtez là, c'est pas possible. Ici Raven 5, on maintient le contact visuel avec le véhicule. Oh mais non... Oh là là... C'est pas possible. Bon, on va réessayer, hein. Tu peux attaquer le bus. Zoé, t'es la meilleure. Pas possible, pas sûr. Mais c'est le dur comme de l'acier. Qu'est-ce que tu as attaqué? Et maintenant, cartonne-le. On dirait que le chauffeur du bus a un plan B. Ne lâche pas. C'est ça. Pas de quartier, bonhomme. Les flics, mine-toi, Alex. Donne tout ce que t'as à fiston. Ouh, c'est pas mal, hein. Ouf. Allez, on va le détruire sur le bus. Pas de quartier, bonhomme. Barrage en place. Compris. Avis au bout. C'est ça. Ouf, c'est pas mal, hein. Allez. Tout ce que t'as à fiston. Alors comme ça, c'est comme ça que ça marche. Non. Tourne pas. Oh, j'ai chaud. Pas de quartier, bonhomme. Ouf. Ok, on va le percuter. Que tu sais ce qui se passe. J'ai la liste de transfert. Le seul qui nous intéresse, c'est Troy. Ah, pas de... nickel. Là, c'est bien. Là, il fait d'accord. Des... J'ai un là, support aérien. On le laisse filer, mais on le perd pas de vue. Je vais tenter de l'intercepter. On est devant lui, on va filer. C'est yes mal, hein. Oh, enfin. Oh, putain. J'ai tranché. J'ai trop chier. Oh putain. Oh, trop dur. Je pense que c'était trop dur. Trop galéré. Kit d'admission. Niveau 42. Bonus frein. C'est fait, Zoé. T'as repéré Troy? Ouais. On va
pas tous les arrêter sauf Troy. Et on gardera un œil sur lui. Bon travail, Zoe. Alors. Enfin, c'est bon. Oh putain. Alors, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!